Bonjour, bonjour à toutes et tous, Last Memory, je suis très heureux de vous retrouver ici sur ma chaîne pour un nouveau sujet de vie en gameplay. Alors aujourd'hui, on va traiter, si vous le voulez bien, d'un sujet particulier mais qui touche, je pense très honnêtement, bien 90% de la population et voire 100% de notre période la plus vaste qu'est l'adolescence. Qu'est-ce que j'entends par vaste? C'est vaste d'expérience. C'est généralement quand on est adolescent qu'on connaît un sacré paquet ou qu'on tente un sacré paquet d'expériences. Et ce qui est, je pense, tout à fait normal, c'est ce qu'on appelle grandir. Je voulais traiter donc tout simplement des ex. Alors qu'est-ce que j'entends par les ex? Ce sont donc bien évidemment les personnes ayant traversé notre vie sentimentale avec laquelle on a partagé un ou plusieurs moments de notre vie. Tout simplement. Alors il y a plusieurs bien évidemment catégories d'ex. Il y a les ex entre guillemets futiles, c'est-à-dire celles que vous rencontrez un soir en boîte, vous sortez avec elles et puis le lendemain c'est fini. J'ai pas envie de traiter de cette partie-là, j'ai vraiment envie de traiter des ex. À proprement parler, c'est-à-dire les personnes ayant marqué votre vie, une certaine partie de votre vie, avec qui vous n'êtes plus, mais qui, bien évidemment, vous ont servi ou pas. Alors, je classifie personnellement, et c'est très subjectif, parce que c'est également un témoignage personnel, c'est sûr, je ne peux pas parler au nom de tout le monde, parce que chaque histoire sentimentale est différente, chaque personne est différente, donc je vais un petit peu, beaucoup même, parler de ce que j'ai vécu, et peut-être qu'au travers de mes propos, vous y retrouverez, tout simplement. J'ai connu certain nombre de filles dans ma vie, je ne vais pas toutes les énumérer, c'est pas le sujet. Il y en a quelques-unes qui m'ont bien évidemment marqué, alors j'ai tout connu. J'ai connu la grande tarée, vraiment la barjo, je vous jure, c'était un truc de fou. La fille que j'ai réellement aimée du plus profond de moi et qui a marqué ma vie, le cas échéant, encore aujourd'hui. Et puis il y a certaines ex qui ont marqué à leur façon une partie de ma vie, mais pas forcément ma vie, et je me rappelle pas faire. J'ai pas forcément envie de retrouver ce que j'ai connu avec elle. Parce que c'est ça. Pour moi, une ex ou un ex, puisque bien évidemment j'ai un auditoire, je crois que ça se dit comme ça, féminin. On va commencer par l'ex que j'ai connu qui était complètement taré. Et c'est l'une des dernières en date, la pauvre. Enfin la pauvre, non. C'était plus moi le pauvre dans l'histoire. C'est une personne qui n'a jamais accepté le fait que je la quitte. C'est-à-dire qu'au moment où je l'ai quitté, elle m'a dit oui sans problème. Et puis une semaine après, le début des emmerdes, elle a complètement disjoncté, persuadée que je voyais quelqu'un d'autre. Et m'a donc suivi, je vous jure que c'est vrai, mes frères seraient ici pour témoigner. Me suivait même le soir quand je sortais au restaurant entre amis. Elle me suivait comme dans les films. Hein. C'est-à-dire, je sortais du restaurant, j'avais les phares qui s'allumaient au bout de la rue. Alors ça c'est le genre d'index qui vous marque, mais pas du pas du bon côté de la chose, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui m'a vraiment fait souffrir dans le sens où elle m'a harcelé tellement. Oui, ça existe hein, que des femmes harcèlent des hommes, c'est pas, y a pas que ça, pas que dans un sens. Elle m'a tellement harcelé que j'ai dû changer de numéro de téléphone, poser une main courante à la gendarmerie, etc., etc., etc. Et je peux vous jurer que c'est vrai. Et c'est quelque chose qui, je vous souhaite vraiment pas de vivre ça. Faites gaffe, parce qu'il existe des tarés, que ce soit côté mec comme côté femme. Et puis il y a les ex qui vous marquent une certaine période de votre vie, celle où vous êtes par exemple persuadé d'être que c'est la femme de votre vie, et puis finalement la vie fait que ça l'est pas. Ces ex-là, pourquoi je pense qu'une ex comme ça, ou des ex comme ça ont une place primordiale dans la vie, c'est parce qu'elles nous ont appris d'une certaine façon à aimer certaines choses. Elles nous ont appris à partager certains moments. Et je pense que pour, je parle bien évidemment pour des ex où ça s'est bien terminé. Si ça a fini avec des assiettes contre le mur et des insultes, bien évidemment que mon argument n'est pas valable. Mais je vous parle des ex où, parce que ça existe aussi, hein, qu'il y a des séparations comme un accord, parce que la vie fait que on s'aperçoit qu'on n'est pas fait l'un pour l'autre, mais on a quand même vécu de super bons moments. Et je pense que ça, vous êtes nombreux, enfin, j'espère que vous êtes nombreux à avoir connu ça. Moi, j'ai beaucoup connu ça. Et de temps en temps, il m'arrive encore de penser à elle. Parce que je me dis, tiens, avec elle, j'ai fait ça. Et je sais que je ne veux plus le faire. C'est-à-dire qu'elles m'ont servi. Ça fait un peu objet quand je dis ça, mais c'est pas le cas. Mais elles m'ont servi à savoir ce que je voulais. Et surtout, ce que je ne voulais pas. Mais encore aujourd'hui, j'ai quelques relations avec elles. C'est peut-être la peur du mot séparation qui fait qu'on a des bonnes relations encore ensemble. Ou tout simplement le fait qu'on se soit quitté en bon entendeur, en bons amis entre guillemets, ça arrive heureusement. Et aujourd'hui encore, une ou deux fois par an, on se donne encore des nouvelles. Et puis vous avez, pour moi,
L'ex, la vraie. C'est-à-dire que moi j'ai connu une ex qui est bien évidemment mon premier amour. Et c'est une ex complètement à part entière, c'est-à-dire elle est complètement à part dans ma vision des choses. Pourquoi? Parce que c'est la première que j'ai rencontrée, c'est la première que j'ai aimée, c'est donc celle qui m'a appris comment on aimait. Voilà, c'est quelqu'un qui a conditionné ma façon de voir les choses encore aujourd'hui à 31 ans, 32 bientôt, mon Dieu. Mais c'est quelqu'un qui, ça reste un premier amour. C'est-à-dire que derrière toutes les histoires qui ont suivi, inconsciemment, j'ai, et je pense qu'on recherche quelque chose qui y ressemble. Pourquoi? Parce que le premier amour, la première fois qu'on aime, la première fois qu'on a mal au ventre quand on voit quelqu'un, la première fois qu'on est déstabilisé quand cette personne vous regarde, c'est quelque chose qui est super. Qui est super. C'est un sentiment qui est indescriptible et qui est extraordinaire. Et c'est quelque chose que, bien évidemment, on tend à avoir envie de retrouver, surtout quand cette histoire-là s'arrête. Parce que quand le premier amour est la femme de votre vie ou l'homme de votre vie, c'est extraordinaire. C'est de plus en plus rare, surtout dans la société aujourd'hui, vu ce qu'elle dicte entre les réseaux sociaux, les infidélités, enfin, tout ça, c'est un autre sujet. Mais la société dicte le fait qu'il y a tellement d'occasions de rencontrer des gens que c'est difficile d'avoir une histoire simple, stable et fidèle. Et encore plus d'avoir tout simplement son premier amour qui reste son premier amour, son amour et la femme ou l'homme de sa vie, ou le père ou la mère de ses enfants. C'est quelque chose qui est très rare. Félicitations à ceux à qui ça arrive, mais moi, c'est pas le cas. Et donc, mon premier amour reste en fait mon ex. C'est-à-dire qu'il y a eu plein d'autres ex, mais elle, c'est mon ex. Et vous savez, c'est durant la vie, je pense que la tristesse ou la haine de cette séparation, le fait qu'on n'avale pas forcément la pilule quand on se sépare de cette fille ou cette personne qu'on a aimée, vous fait complètement détourner votre comportement et votre avis sur cette personne-là et sur le premier amour qu'elle a été. Et je sais pas si vous, dans ceux qui m'écoutez, vous avez connu un premier amour qui s'est terminé, mais c'est quelque chose qui reste complètement à part dans sa tête, dans son cœur. Et c'est quelqu'un que j'ai vraiment du mal à décrire, c'est-à-dire j'ai du mal à la positionner. À part vous dire que c'est mon ex, je la revois, je l'ai revue dernièrement, et c'est indescriptible quand je passe un moment avec elle, parce qu'en fait, c'est comme si je l'aimais encore. Comme au premier jour, enfin je l'aime encore comme au premier jour, mais que en parallèle la vie ben, s'est écoulée, que nos chemins sont complètement séparés et que pourtant rien n'a changé quand je la regarde et rien n'a changé de son côté quand elle me regarde. Et pourtant la vie a fait qu'on n'est pas du tout, on n'est plus du tout ensemble, mais qu'on est toujours l'un en face de l'autre. Parce que ça nous arrive de nous voir et c'est quand même extraordinaire, je pense, surtout. Au bout de ça fait 15 ans qu'on est séparés. Je sais pas si vous, qui m'écoutez, vous avez eu une séparation, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas du tout évident à gérer. Et je pense sincèrement qu'une ex, c'est pas que le côté négatif d'une relation, c'est pas que des assiettes qui volent dans un appartement, qu'une séparation douloureuse. Je pense très sérieusement qu'une ex, c'est elle qui, ou un ex, c'est elle ou lui qui vous permet de savoir ce que vous voulez, ce que vous aimez, ce que vous aimez partager. Et c'est une façon aussi de vous améliorer ces relations qui se sont succédées, parce que eh bien, je pense qu'on retire toujours des leçons d'un échec, d'une relation qui s'est terminée, ou d'une relation qui a bien fini. On grandit toujours, c'est le principe même de la vie. On se relève toujours des échecs et on ne se relève que mieux quand on a analysé l'échec et pourquoi ça n'a pas fonctionné. C'est sûr que si on n'a rien analysé, ça sert strictement à rien et on recommencera le même échec, la même erreur. Voilà. Et je pense donc sincèrement que une ex ou un ex, c'est ça. Ça a une place très importante dans notre vie. Je pense que, à part, comme je vous l'ai dit, des ex que vous avez rencontrés la veille pour le lendemain, mais des ex, quand vous avez partagé vraiment des moments, des mois, des années avec ces personnes-là, que ce sont devenus vos ex, on se souvient de leur prénom à vie, elles ont traversé votre vie, vous avez forcément partagé. Et moi, je viens d'une époque où le fait de coucher avec était un acte fort d'engagement. C'était tout simplement partager son corps. Aujourd'hui, j'ai l'impression que la société actuelle, eh ben, c'est plus du tout le cas. J'ai l'impression qu'on couche comme ça pour faire plaisir et qu'on couche de plus en plus tôt et que des ex finissent par s'accumuler comme le nombre de livres dans une bibliothèque.
Voilà, j'espère que vous serez d'accord avec ce que j'ai pu traiter. C'est une manière plus philosophique de traiter les ex. C'est vrai que j'aurais pu faire le détail les unes après les autres de ce que j'ai vécu, ce qui est absolument pas intéressant. Je suis pas là pour raconter ma vie dans les détails, mais c'est surtout l'aspect psychologique et de ces histoires. En tout cas, moi, et c'est personnel, j'en retiens sincèrement une qui, encore aujourd'hui, reste une énorme énigme quant à la vie, quant au fait que la vie, pardon, nous a séparés. Voilà, j'espère que vous avez passé un agréable moment avec moi, j'espère que vous avez apprécié ce sujet, n'hésitez pas dans l'espace commentaire de témoigner ce que vous, la vie vous a réservé, ce que vous avez vécu, ce sera un vrai plaisir pour moi de les lire. En tout cas, d'ici là, et c'est le plus important, prenez soin de vous, je vous souhaite à toutes et tous une bonne journée, bonne matinée, bonne soirée, tout dépend du moment où vous regardez cette vidéo. Adi chats.